Super bonnes impressions, première fois avec la carte électrique et le couple m'a vraiment épaté. Donc je me suis hyper bien amusé, la conduite est très propre, donc il y a vraiment moyen de faire du beau pilotage. Et ouais, et puis la puissance est là, donc franchement rien à dire, hyper fun. Oui, il y a quelques similitudes avec la Formule E, donc quand on arrive au virage et qu'on laisse rouler, ben il y a pas le frein moteur, donc il y a cette sensation de rouler vraiment propre, coulé, et quand on reprend les gaz, le couple est instantané, donc ça c'est vraiment deux choses qui sont similaires. Je pense que c'est vraiment important pour le karting de passer à l'électrique ou au moins d'avoir l'option en électrique, puisque bon, c'est représenté quand même la course du futur. Je pense que au niveau d'égalité et de frais pour les jeunes pilotes, pour se démarquer, c'est une plateforme qui est beaucoup plus équitable et bon, avec aussi moins d'entretien, plus facile à gérer en général. Et je pense que c'est un très bon début déjà avec le matériel qu'on a aujourd'hui, et je pense que ça va que devenir mieux, et les performances sont vraiment très très bonnes, donc je pense que c'est super, ça fonctionne super bien sur un kart. Donc ouais, voilà, je pense que pour les pilotes de demain ou même d'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne plateforme. Ouais, les avantages du e-kart, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que déjà en frais, en entretien, c'est beaucoup plus facile d'utilisation, et c'est la course du futur, et puis ça, bon, déjà ça pollue pas, ça fait moins de bruit, donc je pense que on a moins de restrictions, et c'est hyper fun, le couple est instantané, donc on peut vraiment s'amuser comme il faut, et voilà, l'égalité est là, donc je pense que c'est aussi super pour tous les jeunes pilotes qui doivent pas faire une semaine d'entraînement pour les courses de karting. Moi je m'en souviens, à l'époque on allait aux courses internationales le lundi, là, et on loupait toute une semaine d'école, donc là, parce que bon, il fallait passer 10 moteurs, les roder, etc. Donc là, il n'y a pas tout ça, on est direct avec la performance égale pour tout le monde, et il n'y a pas besoin de faire autant d'essais, donc pas louper l'école, ce qui est important quand même.